Rebonjour tout le monde. Alors la vidéo suivante, je vais dans cette vidéo, je vais lire le texte La princesse du livre. Alors dans la photo numéro 1, vous voyez ici, il y a une dame qui présente le journal. Et dans la photo de derrière, dans le deuxième plan, il y a un président, le président ou bien l'émir du Qatar, l'émir de Dubaï, qui donne un cadeau à une fille. Et dans la deuxième photo, vous voyez qu'il s'agit d'une fille, la même chose. Nous allons lire le texte, La princesse du livre. Chers téléspectateurs, elle s'appelle Maryam Amjoun. Elle habite la petite ville de Taounat. Elle n'a que 9 ans et pourtant, elle vient d'être l'heureuse gagnante du grand défi de lecture organisé à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Maryam Amjoun va à l'école comme tous les enfants du Maroc, mais c'est une petite fille qui aime lire et qui fait du livre son compagnon de tous les jours. يعني باختصار الاسم ديالها مريم أمجون كتسكن في تاونات واحد الفيل صغيرة عندها يلاه 9 سنوات ولكن ربحات التحدي في القراءة في لا ليكتور فين هادشي و في دبي فين كاينة دبي في الإمارات العربية المتحدة مريم أمجون مشات للمدرسة بحال جميع الأطفال ولكن كانت تحب كثيرا القراءة كتقدر تقرأ وكان الصديق ديالها دائما في الأيام كاملين شنو هو الكتاب بمختلف الأنواع الكتب كاين مختلف الأنواع هناك كتب التاريخ الجغرافيا كتب الفلسفة كتب الأدب كتب التربية على المواطنة كتب الدين كتب il y a plusieurs types de livres. Alors, la première question, qui est cette dame? Alors, cette dame est une journaliste. Deuxième question, que fait-elle à ton avis? Elle présente le journal Info Soir. Reconnais-tu cette petite fille? Oui, je la reconnais, c'est Mriem Amjoun. Où l'as-tu déjà vue? Je l'ai vue à la télévision. À quoi a-t-elle participé? Elle a participé au défi de lecture à Dubaï. Que porte-t-elle sur son dos? Je regarde la deuxième image. Elle porte le drapeau marocain. Voilà, c'est tout. Au revoir et merci. J'espère que le texte vous plaira beaucoup. Au revoir, à bientôt. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour encourager nos vidéos. Bye bye.